C'est reparti pour toute une semaine en information sur Info TV. Nous sommes lundi 23 septembre 2024. Toute une semaine en information. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une agréable semaine, un bon début de semaine. Ce matin, nous ferons naturellement encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Ce matin, nous marquerons un arrêt, comme tous les matins d'ailleurs, au niveau des kiosques avec la très étincelante Claudia. On marquera le deuxième arrêt pour la dénonciation. Le troisième arrêt, c'est l'instant de l'analyse. Et parlant justement de cette analyse ce matin, nous allons nous poser la question, une question simple mais probablement fondamentale. Au Cameroun, y a-t-il encore des vrais leaders? C'est quoi d'abord un leader? On fera un effort de définir le leader tout à l'heure et maintenant savoir si au Cameroun, on trouve encore des vrais leaders. Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous êtes au canal 317 sur Canal Plus International. Votre fidélité continuera à nous honorer. Merci d'être en direct entre 10h et 11h52. Bernard Ohona, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tout le panel. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié d'être de notre ce matin. Bon début de semaine donc également à tout le monde et merci une fois de plus de m'avoir invité sur ce prestigieux plateau d'Espace Miné. Et je ne vais pas trahir un secret, hein, mais vous me disiez en off tout à l'heure que les dimanches, vous êtes très occupé par les 2-0 et après quelques semblants de mouvements de sport, vous vous retrouvez au bouillon, arrosé par des bons liquides, ce qui fait que le samedi, le lundi matin, on peut être un peu fatigué. Évidemment, c'est pas ce que j'ai dit totalement. Ah bon, hein? J'ai plutôt dit que les lundis là ne sont pas faciles pour moi parce que je souffre tellement dans les 2 euros avec cette affaire d'après sport là où il y a trop de bière et trop de bouillon. Voilà. Ça nous torture le corps et l'esprit. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter d'être torturé. Ce n'est pas facile avec les difficultés qu'on traverse aujourd'hui dans ce pays. De refuser un bon plat de bouillon. Pas, non, un casier de bière. Donc, le dimanche, c'est pas facile. J'ai de la peine même à regarder votre grande émission Libre Expression parce qu'elle passe au moment même où nous sommes en pleine opération après le sport. Donc, là, je prendrai les dispositions pour que je n'exagère plus dès la semaine prochaine pour être d'attaque le lundi matin. Bernard Ohona est journaliste, il est homme politique du côté du RDPC. Merci d'être là ce matin. En face de Bernard Ohona, nous accueillons le professeur Claude Désiré Nouissier. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Parfaïssi et déjà mes excuses pour ce petit retard. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. De partager ces moments d'échange intellectuel. Ça faisait longtemps, hein, vous n'étiez plus passé par ici. Je présume que vous avez pris de jolies vacances. Oui, j'étais en congé. C'était à Limbé, Crépy. Au Cameroun. On s'est un peu déplacé pour le village. Ah, pour le village. Ouais. Si ce n'est pas indiscret, le village c'est où? C'est Balembo. Balembo. Dans le Haut-Cam. Dans le Haut-Cam. Mmh. Vous avez mangé la bonne sauce jaune. Oui, la bonne sauce jaune le avec bon, le coquille. Le bon cuit. Le coquille. Mais c'est pas vous qui êtes quand même les créateurs du coquille. C'est vrai que nous avons un problème. Parce qu'on a eu un procès au Cameroun ouais, sur vrai. La paternité du coquille. C'était très sérieux. C'était vraiment très sérieux. Mais nous partageons ce mets avec plusieurs autres voisins et frères. Et Bantou également. Parce que c'est pas seulement au Cameroun comme le coquille. Ça se mange peut-être différemment ailleurs aussi. Professeur Claude Désiré Nouissier est enseignant d'université. Il est psychosociologue. Merci d'être là, professeur. En face de vous, on accueille un habitué de ce plateau, l'homme au timbre vocal particulier, Alain Douc. Bonjour. Bien le bonjour. Je sais qu'il y a comme ça des millions de téléspectateurs là, déjà scotchés pour recevoir leur dose hebdomadaire de l'espace à déminer. Ou à miner, je sais pas. Merci pour l'invite que tu me fais ce matin, une nouvelle fois. Je ne saurais sortir de ce propos liminaire. C'est une nouvelle fois, ici, officiellement comme ça, dans le cadre de cette émission, saluer les 12 membres du Comité international de lecture du quartier des auteurs et des autrices qui lancent un appel à texte
pour la saison 2024-2025. Donc, c'est une façon d'encourager littérairement et artistiquement tous les auteurs en herbe et confirmés qui écrivent du théâtre à postuler dans le cadre de cet appel à texte. Il y a d'ailleurs un prix, hein, et qui n'est pas des moindres, 2 500 € à gagner. Le texte joli sera... pactole. Ah, c'est un joli pactole pour le texte qui sera vainqueur. Le comité de lecture en question, j'en suis un des membres, nous sommes 12, et je vais saluer comme ça toute la petite communauté des 12, la petite communauté de Belgique, parce qu'il y a 3 pôles, il y a le pôle de Belgique, il y a le pôle de France, de qui est né le reste, et puis pour cette saison 2024-2025, il y a le pôle Cameroun, Afrique francophone qui est né, dont je suis l'un des membres. Donc c'est un appel à véritablement créer de l'émulation intellectuelle au travers des œuvres dramatiques. Alors, pour être un peu plus précis, il s'agit de quoi? Ce sont des concours que vous lancez? Oui, c'est un concours littéraire. C'est des, on voit, si tu as écrit un ouvrage ou oui, bien... un ouvrage de théâtre, un ouvrage dramatique. D'accord, oui. Un ouvrage vous, dramatique. Vous participez en postulant, c'est-à-dire que vous envoyez votre œuvre à une adresse que nous avons. C'est une adresse mail. Oui. Pour ceux qui veulent, on pourra la leur communiquer. D'ailleurs, ils peuvent la voir. Mais donne l'adresse. D'accord. L'adresse, c'est la communication. C'est l'information. Au Cameroun, il y a plein de talents, surtout dans ce domaine. Mais parfois, ils n'ont pas simplement des endroits, des espaces pour pouvoir s'exprimer. Je vais prendre l'adresse mail. J'ai un tout petit peu le téléphone qui déconne, vous savez. J'y suis. D'accord. On va prendre l'adresse. Tu n'y étais donc pas encore. Pardon. Parce que moi, je voulais continuer à parler le temps que tu cherches l'adresse. Ok, d'accord, pardon. Donc, j'étais en train de faire comprendre qu'il faut occuper les jeunes et ceux qui ont véritablement la volonté d'écrire et surtout un petit talent. Et maintenant, j'ai appris qu'au bout du compte, vous pouvez être primé à hauteur de 2 500 €. Oui. C'est voilà donc l'adresse. En fait, je fais ça pour que tu cherches l'adresse. D'accord, c'est bon. D'accord, c'est bon. Donc là, maintenant, donc, vous pouvez envoyer votre texte donc, sous format Word ou PDF. Accompagné de la fiche de renseignement à télécharger sur le site du quartier des autrices et des auteurs, à l'adresse comité qdaa.cam@gmail.com. Comité sans accent, vous le savez bien, c'est en un bloc, comité qdaa.cam@gmail.com. Merci Alain Douk d'être encore là ce matin. En face de vous, notre consultant est également en poste. Il est le descendant de Omi Obedi, fils de Boumi Ebel, Pierre Bleriou-Niamek. Bonjour. Bonjour, parfait. Ici, merci de m'accueillir sur votre plateau distingué ce lundi matin. Moi, je n'ai pas la chance comme Bernard Ouna de m'empiffrer de bonnes choses le week-end. Sauf que le mot empiffrer, je ne sais pas s'il est méditatif. Non, c'est lui-même qui a dit ça. Empiffrer pour un seul individu. Mais il n'a pas dit empiffrer. C'est des formes de punition. Parce que j'ai souvent vu ces 2-0. Le porteur dit un casier pour tout le monde. Premier tour. Ensuite, un autre porteur arrive vers 16h. Il dit la même chose, même traitement. Il faut donc féliciter Bernard Ouna d'être debout. Merci beaucoup. Donc, nous étions ici hier. Carrément pas de week-end, pas de repos. Pas du tout. Mais moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Je commence à restreindre mes autres occupations. Parce qu'il faut qu'on reste debout, qu'on reste vivant. Donc, les gens qui ne me voient pas leurs invitations, à quelques deuils, ils doivent comprendre. Parce qu'il ne me reste que quelques heures du samedi. C'est pas évident. Il y a des choix à faire, malheureusement. On n'a pas la faculté d'ubiquité. Il y a des choix à faire. Les gens voudraient bien que vous soyez à une cérémonie, que vous passiez beaucoup de temps. Mais ils voudraient aussi, le lendemain, vous voir très tôt d'attaque. C'est pas évident. Si vous ne ménagez pas votre corps, vous en avez un seul. Et puis lorsqu'il vous a lâché, c'est fini. Hein? Voilà. Merci Pierre Bleriou. Je vous suggère d'ailleurs de garder le microphone, cette fois-ci pour nous donner la sagesse matinale. Si tu traites méchamment tes parents devant tes enfants, tu leur enseignes ce qu'ils feront de toi le moment venu.
On peut reprendre. Si tu traites méchamment tes parents devant tes enfants, tu leur enseignes ce qu'ils feront de toi le moment venu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfait ici que quand nos enfants nous voient traiter nos parents, ils copient. On dit le grand-père dérange, ton grand-père dérange, on le maltraite, on le met dans une pièce d'isolement. Derrière la maison. Derrière, ainsi de suite. On parfois dit, au magasin. On interdit même à ses petits-fils d'aller le saluer, des choses. En fait, ce que vous devez savoir, vous parents, aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de donner un enseignement à vos enfants. C'est comme cela qu'ils vous traiteront le moment venu. Ne vous en plaignez pas. Donc, si vous savez, préparez-vous très bien. C'est comme ça, vous serez aussi grand-père, vous serez vieux. Et les enfants, vos enfants devenus grands, diront que même traitement. Quand tu déranges, c'est dans la maison d'isolement. Non, nous avons d'autres valeurs chez nous en Afrique. Et le traitement que nous accordons aux personnes âgées, à nos parents, impacte de manière systématique nos propres vies, celles de notre progéniture et autres. Merci. Hein. C'est vrai que je voyais souvent ma grand-mère le dire à son enfant. Et lui, elle disait que moi, je ne vais jamais maudire mon enfant ou mes enfants ou quoi que ce soit. Elle dit non. Le traitement que vous me donnez, je souhaite que vous ayez le même traitement pour votre progéniture. Donc, comme c'est que Blaireau dit, donc si vous me traitez bien, sachez que vos enfants vous traiteront bien. Maintenant, si vous me traitez mal, je suis désolé, vos enfants aussi vont vous traiter mal. Est-ce que je vous ai maudit? Non, on voit que non, tu n'as maudit personne. Oui, en fait, même s'il me... Des fois, ils pensent que c'est la malédiction. Quand vous dites à vos enfants vous feront exactement ce que c'est quoi vous me faites. Ils ne veulent pas. Eux-mêmes savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Et que si on venait à le leur faire, ce ne serait pas bien. Mais c'est imparable. Vous savez, les gens me prennent souvent à partie sur mes sorties. Quelqu'un qui chasse sa famille. Si les gens savaient, je suis extrêmement rigoureux. Ça se voit. Extrêmement rigoureux. La preuve, ma grand-mère est décédée chez moi à 102 ans. Ah oui, c'est dans mon domicile et sur un lit avec un traitement princier. Voilà. Coup de grâce, voilà. Voilà. Merci. Et je jure aujourd'hui de ces grâces. Je ne vais pas donner les détails. Donc vous qui traitez mal vos parents, vous serez traités de... Mais on peut se choisir des parents, n'est-ce pas? Merci Pierre Blériot. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. À tout de suite pour la suite. Diantia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce lundi. Bonjour à ton panel. Jolie robe, hein? Merci. Un noir assorti des traits blancs. C'est formidable. Et lorsqu'on associe ce rouge à lèvres avec cette coiffure, vous pouvez être sélectionné dans une élection Miss. N'est-ce pas? Oui, peut-être sélectionné. Seulement, j'ai pas la taille. La taille? Oui. Non, la taille ne fait pas tout. Pour être Miss, il faut pas avoir 2,50 m. Non, au moins. C'est vrai qu'il faut penser être, comment dire au village, un zigoto.
Non, je n'ai pas la taille pour faire les faut pas être naine. Ok. Il y a les nains. Je vais m'essayer, pourquoi pas. Il y avait un nain dans ce pays, on l'appelait Imoro. 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 Tu l'as connu? Non. Ah, Imoro. Il habitait du côté de Polytechnique, hein, à Mélène. Oui. C'était une famille comme ça. Sa grand-mère était naine. Oui. Sa mère était naine. Leur petit-fils était nain. Ouh. Il avait à peine 60 centimètres. Ben non, vous avez connu cette famille quand même, Mélène, non? Bien voilà. Sûr, c'est pour ça que je ne raconte pas des sottises. Bien sûr, ils ont même tourné. Ils ont même tourné un film. Voilà. Un feuilleton. Un feuilleton était mort. C'est très bizarre de voir une famille. Voilà, ils ont un tout okay. Oui, oui, oui. Sa femme le portait dans le pouce-pouce. Et maintenant, donc, il y avait petit. Il y avait un très grand artiste, à l'époque on disait Zaïrois, Pépé Calé. Pépé Calé. Mmh. Il avait donc son danseur, un de ses danseurs qui s'appelait donc Emoro. Mmh. Emoro. Et quand Emoro et Pépé Calé est venu ici au Cameroun, il y a une trentaine d'années, oui. Il était venu avec cet Emoro-là. Oh, je n'ai pas envie d'aller loin. Tellement on appréciait cet Emoro quand on le regardait à la télé, au point les filles camerounaises étaient amoureuses d'Emoro. Oh, à peine 60 centimètres. Oh, mais ne crois pas que petit de taille veut dire petit partout. Ah bon? tu peux te tromper. Non, petit de taille ne veut pas dire petit partout. Ah bon? Oui, oui. Qu'est-ce que tu sais? J'en sais quelque chose. Il y a des membres qui grandissent plus vite que d'autres. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, les journaux parlent ce matin du Conseil international du cacao et le quotidien Informateur nous renseigne que le Cameroun est aux commandes. La décision a été vendredi dernier à l'unanimité prise par le groupe des pays producteurs d'organisation internationale du cacao via visioconférence et ce sera intériné au cours de la 110e session du dit conseil qui se tient du 23 au 26 septembre à Abidjan, Côte d'Ivoire, aussi bien par les pays producteurs qu'importateurs. Cette bonne nouvelle qui honore donc le pays de Paul Biya, a désormais quatrième producteur mondial, n'est pas le fruit d'un hasard. Bien au contraire, c'est le résultat de la politique réaliste et salutaire du chef de l'État et savamment implémentée sur le terrain par son ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargatangana, question de valoriser les efforts du cacaoculteur, lequel devra dorénavant vendre son produit à un prix juste lire. La page 2 et 3 pour en savoir davantage. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune est également au parfum de cette actualité. Marie-Claire Nana nous propose de lire l'embellie et surtout la magie du cacao de la page 15 à 18. Les bonnes nouvelles s'enchaînent justement pour le cacao camerounais. L'avenir de Sivirin Koloko s'intéresse également sur cette actualité de la page 6 à 7. Avis donc aux producteurs de cacao en Afrique et même dans le monde, le Cameroun est désormais à la tête de l'organisation, nous informe le journal La Nouvelle en page 10 de sa parution du jour. Sans détour ne fait pas de détour et nous présente un visage, celui du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargatangana, qui est désormais le président du Conseil international du cacao pour la campagne cacaoyère 2024-2025. Mbargatangana est donc aux commandes. L'actualité en kiosque ce lundi, c'est aussi le comité des chefs de police de l'Afrique centrale. Ferdinand Gongo inaugure le siège du secrétariat permanent. Le cri hebdomadaire La Météo de Dieudonné Mvang nous fait savoir que c'est à la faveur des clôtures. Ce 20 septembre à Yaoundé de la 4e session ordinaire du Conseil des chefs de police de la sous-région et du 24e forum des ministres en charge de la sécurité présidé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République. Et nous restons avec la police, le témoin en kiosque ce matin fait de la lutte contre la drogue sa grande une. Laisser la police faire son travail, affirme ce journal paru en kiosque ce premier jour de la semaine. Nécrologie, Aïdjo Mamadou, le lion blanc a tiré sa révérence. Le journal Le Jour d'Amanmana nous informe que le chanteur de Bikutsi est décédé le 20 septembre au CHU de Yaoundé, déçu d'une longue maladie. Il avait 62 ans.
Le quotidien Mutation de Georges Alain Boyomo s'intéresse également à la disparition d'Amadou Ahidjo, le dernier mot d'un parolier à lire en page 9. Entre-temps, le journal nous propose d'aller du côté de la capitale économique Douala. La ville est apparemment infestée de microbes. D'ailleurs, on compte déjà un mort et de nombreuses personnes blessées et dépouillées de leurs biens vendredi dernier par une bande de jeunes munis d'armes blanches. Pourquoi ce phénomène d'insécurité persiste et comment y remédier? Vous trouverez certainement quelques solutions en page 5 de ce journal. Entre-temps, le messager parle de succession au canton Akoua. Chief John Goûté doit trancher. Le chef de la famille, Niamé Épé de Bonéléké, interpelle le premier ministre, autorité de désignation des chefs traditionnels de premier degré pour mettre fin à l'imposture. Lire la page 9 pour en savoir davantage. Et prenons à présent des nouvelles des inondations dans la région de l'extrême nord avec la nouvelle expression. Et la digue promise par Biya depuis 14 ans. Le journal s'interroge en grande tribune ce matin. L'infrastructure pourtant bien pensée aurait pu réduire considérablement les dégâts humains et matériels que les dernières pluies ont causés dans cette partie du pays, apprend-on dans ce journal. Parions qu'est-ce que ce matin. En attendant donc la construction de la digue, le CRI hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous fait savoir que les premiers secours de l'État aux sinistrés sont déjà arrivés du côté de Mayo Danaï. Gibaï Gatama revient donc sur cette actualité en page 3. Même son de cloche avec le quotidien Réalité Plus de Paul Gwarekindi. Mayo Danaï, le chef de l'État Paul Biya, soulage donc 3700 personnes frappées par les inondations. Lire la page 2 et 4 pour en savoir davantage. Et voici le Zénith en kiosque ce matin. Le journal nous propose de nous amener du côté de Mbalmayo, petite ville située à une cinquantaine de kilomètres de Yaoundé. Quelques échos de la descente musclée des éléments du CED. Flash Njomo, directeur de Puy Gachon, nous fait savoir qu'il y a déjà des victimes de ce côté. Lire la page 3 pour en savoir davantage. L'Indépendant répond présent en kiosque ce matin. Le biais hebdomadaire d'enquête nous propose de nous plonger une fois de plus dans l'affaire Saint-Jean Plaza, SERC, défaut de dette levée, des scellés, la page 5 et 8 nous renseigne davantage. La nouvelle est de retour et nous propose également de lire cette affaire en petite tribune de son journal. SERC, dans le tourbillon de l'illégalité, apprend-on dans ce journal. Parions qu'est-ce que ce matin. Et prenons à présent les nouvelles de la capitale avec Capital Info, de l'argent à gogo au PCRN. 17 400 livres déjà vendus. Cabral Ibi annonce d'ailleurs sa candidature. L'info à chaud est également en kiosque ce lundi. On parle de renforcement de l'armure juridique du président de la Fédération camerounaise de football. Un autre professeur dans les taux apprend-on en page 8 et nous clôturons cette dernière partie de la revue de presse avec le journal Le Griot Scolaire qui nous propose de lire quelques actualités pédagogiques. Tout d'abord, lycée général Leclerc, une rentrée scolaire sous le signe de la distinction. Lire la page 2 pour en savoir davantage. En grande tribune, le journal parle de la promotion de l'éducation, de la lecture et du patriotisme. L'AGEC, au chevet des élèves, depuis ce lundi 16 septembre, l'association Jeunesse émergente et citoyenne s'est lancée dans la promotion de l'éducation à travers la production d'une presse écrite nommée Le Griot Scolaire, afin de faire vivre l'information dans l'actualité scolaire au sein des établissements. La page 2 revient donc sur la première sortie de ce journal. Au bas de une encore, on parle de paiement des frais d'APE. Le ministre Éducation de base éclaire le débat. Lire dans l'intégralité de l'émission spéciale accordée au ministre de l'Éducation de base en page 5 de ce journal. Parions kiosque ce lundi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent début de semaine, oui. Un agréable lundi. Merci. Et nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Mais n'oublie jamais la recommandation. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste très très, mais très très prudente. À tout de suite pour la suite.
remet la parole officiellement à Pierre Bleurieu-Niemec pour la dénonciation de ce lundi matin. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce lundi matin est déjà sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une vive altercation qui a opposé des éléments de la police aux éléments de BIR. Mais les éléments de BIR n'étaient pas en service dans le cadre du BIR. L'affaire se déroule il y a quelques jours de cela, suite à une note du ministre de la Santé qui a requis les éléments de la gendarmerie, à une note de CED là-dessus, et les éléments de la police pour accompagner les éléments du ministère de la Santé afin de débusquer les lieux où on consomme la chichia. Pour ceux qui ne savent pas la chichia, c'est cette affaire-là que les jeunes tirent, les jeunes et même les vieux. De plus en plus, on a constaté que cette chichia était mélangée à des produits, à des drogues. Alors l'opération s'est déroulée ce même jour à Carrefour, à Place, ainsi de suite. Et on est arrivé au FEMOS. Les éléments du ministère de la Santé, ceux accompagnés par les agents de police, sont arrivés au FEMOS et ont commencé à faire leur opération. Ils ont rassemblé les chichias qui étaient là. Subitement, les éléments qui gardent le FEMOS, qui par ailleurs sont des éléments du BIR, ont fermé les portes et ont séquestré les éléments de la police, disant que s'ils n'avaient pas le droit de repartir avec les chichias qu'ils avaient retrouvés dans le coin. Les images sont déjà sur les réseaux sociaux. S'en est suivi une vive altercation. On voit des policiers se battre avec des éléments du BIR en civil. On voit des policiers casser, détruire quelques chichias. Et cela a suscité beaucoup de remous. D'ailleurs, leurs supérieurs, tant ceux de la police que ceux du BIR, sont arrivés sur les lieux pour calmer les esprits. Nous avons pensé porter cette dénonciation à l'appréciation de beaucoup. Parce que moi, pour ce que j'ai lu, je vais vous faire l'économie de quelques commentaires. Quand je lis un commentaire, une jeune fille vient dire « C'est la consommation de la chichia qui a causé tous les problèmes que les Camerounais ont. » Si je vous prends des commentaires comme cela, il est question de clarifier le rôle des uns et des autres. Est-ce que le FEMOS jouit d'un statut particulier qui fait en sorte que lui, il ne puisse pas être l'objet de ce genre de contrôle? Est-ce que les policiers n'ont pas le droit d'accompagner ces éléments, ainsi de suite? Que font les éléments du BIR dans un espace privé comme celui-là, comme gardien d'un espace privé? Telles sont les questions que soulève notre dénonciation de ce jour. D'accord. Je pense que c'est une dénonciation qui soulève vraiment beaucoup d'aspects. Malheureusement, je ne suis pas panéliste, mais je serais allé, on dit au quartier, mollo-mollo. Parce qu'on dit que les policiers bagarrent contre les éléments du BIR. Nous avons regardé la même vidéo. Aucun homme n'était habillé avec la tenue du BIR. Bon, ça devient d'abord déjà compliqué. Mais on dit que ce sont les éléments du BIR. Par contre, on voit bien les policiers qui sont habillés en tenue de police. Bon, on dira donc, si M. Aïssi le souhaite, que c'est des civils qui se battent avec des policiers. Mais je viens de vous dire, peut-être qu'il fallait que j'aille plus loin. J'ai contacté les autorités qui sont compétentes. Et c'est bien un colonel. Mais Lério, je vais passer la parole pour la remarque que vous faites remet en cause ma dénonciation. Non, pas du tout. Oui, non, pas du tout. Je dis que c'est des éléments du non, 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 ça ne remet pas en cause. Voilà. Lério, je suis en train de poser une question. Oui, je dis que les éléments du BIR, et je maintiens, le BIR est donc libre de contester que ce n'est pas lui. C'est des éléments du BIR qui gardent le FEMOS, qui se sont battus pour que ceux qui vont analyser, sache bien que c'est les éléments du BIR. Lério, vous avez raconté la dénonciation. Oui, vous permettez donc aux autres. Oui, mais vous avez joué un autre rôle qui consistait de donner leur analyse. Non, votre rôle a consisté à remettre en cause. Je ne l'ai pas remis en question. Vous l'avez fait. Oh là là, c'est compliqué. Hein. Vous racontez dénonciation, vous avez une position. Mais vous êtes modérateur, vous n'avez pas analysé la dénonciation. Je n'ai plus rien analysé. Vous l'avez analysé. Je pose une question. Voilà. On a vu des gens en civil bagarrer
Et je vais poser la question à Bernard Owona, que est-ce que ces images sont suffisantes pour qu'on arrive à une déduction qu'il s'agit des éléments du bi? Voilà la question du modérateur que je suis. Ici, je voulais rassurer M. Niemek, j'ai toutes les réponses à ces nombreuses questions. D'abord, il faut dire à vos téléspectateurs que le fameux en question est la propriété du colonel israélien qui s'appelle Eran Moïs. C'est pour ça que le BIR garde ces lieux-là. Vous comprenez donc déjà de quoi il s'agit? Le rapport. Vous comprenez le rapport? Oui. Ça veut dire que l'Israélien qui est colonel et qui dirige le BIR est propriétaire d'un gros et prestigieux SNAC à Yaoundé. Et parce qu'il est le patron du BIR, il fait donc garder ce lieu-là de détente et de distraction par des éléments du... Comment vous définissez le BIR? Le bataillon d'intervention rapide. D'intervention rapide. Allez vous demander que font les éléments du bataillon d'intervention rapide dans un SNAC-BAR qui garde... Ils sont là, ils ont d'autres missions. On a besoin de Bamenda, par exemple, et dans le Septentrion pour traquer les terroristes et autres. Donc, ils se retrouvent donc que ces braves éléments du BIR sont commis pour garder un SNAC-BAR à Yaoundé, un SNAC-BAR qui appartient au colonel israélien Eran Moïs. Parfois, ici, les policiers étaient dans leur droit. Ils sont allés pour une mission précise, demandé ou sollicité par le ministre en charge de la santé publique. Parce que c'est dans ces milieux-là où la consommation des choses compliquées est véritablement au grand pic. Et donc, voir l'animosité que les éléments du BIR ont affichée face aux policiers doit interpeller les très hautes autorités de la République pour mettre un terme à cette confusion. Bernardo, oui, je pose encore la question. Tout à fait. Les hommes que j'ai vus bagarrer, tout à fait, contre les policiers, qu'est-ce qui prouve qu'ils sont du BIR? Ça c'est une question qui est d'ailleurs à la fois pertinente et embarrassante, mais je voudrais quand même que vous acceptiez, malgré votre souci de votre rigueur, ah oui, malgré votre rigueur, je voudrais que vous acceptiez que ce soit ce que Bléria a dit là, a présenté là tout à l'heure, que ce soit ce que je vous dis là. Moi aussi, j'ai suivi de bout en bout cette actualité brûlante d'ailleurs, qui a interpellé beaucoup de personnalités en très haut lieu pour cette altercation qui était une très mauvaise image pour nos forces de défense. Je pense que tout le monde est unanime, a reconnu que ce sont des éléments du BIR. Qui a reconnu? Ceux qui sont descendus, il y a un colonel qui est descendu. Quel colonel? Il s'appelle comment? J'ai pas son nom. Il y a un colonel qui est descendu. Et qui a dit qu'il s'agit effectivement des éléments du BIR. Il y a d'autres hauts responsables de la police qui sont descendus sur les lieux. Après des échanges, hein, il y a eu des séances de travail entre les deux. Je vais poser une autre question. Tout à fait. Le BIR que vous et moi nous connaissons, oui, travaille souvent en civil. Oui. Oui, le BIR, il y a un BIR qui travaille en civil. Oui, bien sûr, malheureusement, il y a un BIR qui travaille en civil. Voilà, parfait. Le BIR est dans une posture de garder un édifice, ouais, et ils sont en civil. Oui, parfait, ici, oui, ça existe. Bon, maintenant, je veux... Le fond est bien gardé par le BIR en civil. Je veux quelque chose qui est important, parfait. Il ne faut pas perdre de vue, j'insiste, c'est par là où j'ai commencé. L'établissement dont il est question ici appartient... Moi, j'aurais même voulu ne pas le dire. On a déjà suivi. Mais si on le dit maintenant, on comprend même pourquoi. Il n'y a même plus de tergiversation. Oui. C'est bien des éléments. C'est des éléments de vie. Blériot, vous avez à raconter la dénonciation. Vous n'êtes pas panéliste. Vous n'êtes pas mon modérateur. Voilà. Vous avez à raconter la dénonciation. Est-ce que vous avez connecté ça? Vous avez à dire que cette dénonciation ne va pas là. Oh là là, Blériot. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je donne mes réponses. Moi, je donne mes réponses. C'est plutôt toi qui veux orienter la dénonciation. Je sais que ce sont les éléments du BIR. D'accord. Ils ont bagarré. Mais lui, les sérieux, et moi, le rôle, c'est de la tête. Je demande donc si le seul fait d'avoir un élément en civil signifie que c'est un élément du BIR. Question du modérateur. Moi qui cherche les dénonciations, je n'ai pas besoin de donner les noms. Mais si je dis que c'est des éléments du BIR, ça reste des éléments du BIR. Certains éléments du BIR travaillent parfois en civil. Ça dépend des circonstances et des missions.
J'insiste que, parfait, ici, vous-même, si vous allez dans ce famous-là, pour vous détendre avec votre épouse, et que à peine vous ouvrez la porte, poussez la porte, vous voyez des gens en tenue du deal, vous allez rentrer. Moi, je vais continuer à faire mon travail. Que ces gens soient en civil. Voilà. Bernard, moi, je vais continuer à faire mon travail. Allez-y. Et là, il va encore poser une autre question. Parce que maintenant, sur ce plateau, apparemment, il faut qu'on vérifie les questions qu'il pose. Voilà. Je vais donc orienter vers le professeur Nouvissier. Professeur, alors, des éléments de la police qui arrivent dans un endroit comme celui-là, commencent à arracher le matériel. C'est comme ça que ça se passe? Oui, disons que là, les images et les vidéos que nous regardons de plus en plus sur les réseaux sociaux ne sont pas de bons indicateurs parfois, parce qu'il n'y a pas que ce fait. On a vu un policier qui était accroché sur une voiture. On a même eu un policier dont une rumeur dit qu'il est décédé parce qu'un bus l'a cogné, parce qu'il suivait. Ouais. Il y a actuellement. Il suivait une voiture. Il suivait une voiture parce qu'il était heurté par un bus de voiture. Tout à fait. Je pense que notre pays traverse un moment suffisamment délicat. Et nous, en tant qu'éducateurs et enseignants, nous avons un travail de fond en termes de sensibilisation. Parce qu'il faudra, savoir que quand quelqu'un, même si c'est votre frère qui porte déjà la tenue sur lui, ce n'est pas lui en tant qu'individu. Et moi, je le dis chaque fois, quand vous avez vu quelqu'un en tenue, s'il a avéré qu'il est vraiment le détenteur de cette tenue, qu'il porte une tenue, cette tenue est un indicateur suffisant pour le respecter. C'est-à-dire que ça soit au niveau du civil, on ne devrait pas. C'est quand on voit les policiers bagarrer avec les gens, ça ne devrait pas se voir. Ce sont des très mauvaises images. Maintenant qu'on arrive à voir deux corps appartenant à nos forces de l'ordre, à ceux-là qui sont supposés veiller sur nous, s'ils savaient qu'ils soient en train de bagarrer entre eux, ce sont également des très mauvais signes. Maintenant, est-ce qu'on va dans un SINAC sans avoir un mandat, sans avoir une note? C'était ça ma question. Sans avoir une note qui vous permet d'y accéder. C'est ça la rhétorique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je pense que si les policiers se sont introduits, et je ne pense pas, bon, je vais faire une analyse un peu vague, si les policiers se sont introduits dans ce SINAC sans s'être présentés, parce que logiquement, même quand vous avez un mandat, même quand vous avez une note, vous allez d'abord vous présenter, chercher d'abord à voir le responsable de la structure. C'est parce que vous avez vu le responsable de la structure, vous avez présenté la note, qui vous donne le droit et l'autorisation d'entrer dans sa structure, que vous pouvez entrer dans sa structure et commencer à opérer. Ce sont des questions de forme et de rhétorique qui, lorsqu'elles ne sont pas suffisamment considérées, peuvent créer des conflits, peuvent créer des bagarres, peuvent créer des discordances, peuvent créer tout ce qu'on peut observer. Bon, ça va être une question de méthodologie. Lorsque la méthodologie n'est pas bien appliquée, ça peut créer la rébellion chez l'autre. Et dans ce cas précis, tel que M. Bléro l'a spécifié, que ça soit le BI, ou que ça soit... Que ce soit le bi, entre guillemets. Que ça soit le bi. Parce que moi, je vois des gens en civil. Que ça soit les gens en civil. Quand vous avez vu les policiers qui viennent dans votre entreprise, que veut dire la police? Que veut dire le policier? Parce que les gens croient que le policier, c'est un acteur qui vient crier, qui vient nuire. Non, le policier, c'est quelqu'un qui est là pour tout le monde. Qui est là pour gérer les difficultés que nous... Disons que, professeur... Pour le cas du Cameroun, on a souvent vu des policiers dans une posture où vous pensez que c'est la sécurité qui est arrivée. À un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes même en insécurité. Oui, disons que ce sont des comportements à décrier. Voilà. Parce qu'un policier devrait être un vrai exemple. Je m'amuse une fois, sur votre plateau, vous avez pris un exemple de policier. Oui. Et cet exemple-là est unanimement partagé. Qui représente la fierté de la police camerounaise. Je pense que ça doit être le policier qui dirige la circulation en Vogumbi, au lieu dit courant, on l'appelle affectueusement Pointinini. C'est un vrai policier. Voilà, bon, pour dire qu'à un moment donné, nous tous, chacun devait faire son travail. Le policier devait savoir qu'est-ce que c'est que son travail. Vous avez à la fois des droits, vous avez également des devoirs, vous avez des obligations. Ce n'est pas parce que vous êtes policier que vous allez vous permettre du tout et proprement du tout. Non, il y a des limites à votre action. Ces policiers étaient en mission. Voilà, s'ils sont donc en mission. Pour être bien précis, s'ils sont donc en mission, ils présentent leur ordre, comment à la demande du ministre de la Santé publique. Je suis d'accord avec eux. Et ils étaient en tenue. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont procédé à toutes ces civilités-là avant de... Bernard, est-ce que vous étiez là quand ils procédaient à toutes ces civilités? On s'est renseigné. En fait, je profite de votre plateau pour dire ceci. Nous devons être de plus en plus responsables.
le policier doit être responsable et nous devons respecter son travail. Parce que quand ces policiers, quand vous les affrontez et quand vous causez avec eux, quand ils vous disent seulement les dominations, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Comment est-ce qu'on les appelle dans nos quartiers? Quelle est la représentation que nous, tout on a fait. Des policiers? Quand un policier se présente, vous avez l'impression que c'est une personne qui a raté sa vie. Non, le temps est venu pour nous de redynamiser, de repenser, de restructurer la représentation vis-à-vis de ces personnes-là qui, au quotidien, souffrent. Parce que il y a des cas quand même qui ne sont pas des cas positifs. Mais la présence du policier devrait en principe amener la paix, amener la sécurité et créer vraiment de l'ordre. Quand ils sont merci. Sécurisés. Nous allons passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, nous avons vu tout ça, regardez ces images qui sont devenues pratiquement virales au niveau des réseaux sociaux. Est-ce qu'on devait en arriver à ce niveau, une bagarre aussi spectaculaire entre policiers et des hommes habillés en civil qui sont présentés par d'autres comme étant des éléments du BIR? La question, en réalité, la réponse est non, hein, pour tout le monde ici sur le plateau. Là n'est pas le problème, à mon sens. Je veux donner ici un tout petit peu, tant raison à Blériot qu'à toi. Vous n'avez pas tort dans vos prises de position. Blériot a raison parce qu'on a vu ici dans ce même pays des éléments des forces de l'ordre représentant la force publique assurer la protection personnelle d'un certain nombre de particuliers. Bien sûr. Sans qu'on sache exactement pourquoi. Bien sûr. Et si c'était véritablement codifié au niveau des administrations militaires ou de services de sécurité qui sont les leurs. Et ça, souvent, on a souvent jasé là-dessus. Donc, il n'est donc pas impossible que là, comme ça, au niveau du FEMOS, on ait eu effectivement des billes. Hein, des éléments du BI qui sont là et en train d'assurer la protection, faire le vigile au niveau de la boîte de nuit, du lieu de villégiature, d'un des responsables techniques de cette entité de sécurité, ô combien nous le savons stratégique de ce pays. Tout à fait. Maintenant, toi aussi en tant que modérateur, tu as un droit d'émettre des réserves, etc., pour que on se pose les bonnes questions et qu'on fasse la plus pointilleuse des analyses. Maintenant, je veux saluer quand même cette action. Moi, personnellement, j'ai toujours, la plupart du temps ici, par rapport à la PIOP covidienne, etc., j'ai tiré sur le ministre de la Santé ici. Pour une fois, humblement, je veux le remercier. Le saluer pour cette action citoyenne, qui démontre que dans une certaine mesure, politiquement, il y a encore du bon sens en lui et qu'il a à cœur de préserver. J'espère qu'il n'y a aucune considération électoraliste, monsieur le ministre, derrière cette action, puisque 2025 est au pas, qu'il y a encore du bon et que vous avez à cœur vos concitoyens et vous voulez préserver le capital santé de vos concitoyens dans un contexte d'un pays qui est en chantier, qui doit être construit, et c'est des énergies bien portantes qui doivent construire le pays. Et c'est normal de préserver notre capital santé. Donc, les policiers et les gendarmes, forcément, on ne peut pas dire que c'était de l'anomisme, ils avaient certainement un ordre de mission. Mais vous savez, moi, par expérience et par observation dans ce pays, j'ai remarqué, vous allez l'admettre, qu'il y a dans l'écosystème des entités de sécurité, des forces de sécurité, il y a des forces et des corps un cran au-dessus des autres. Il y a des corps d'élite, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on veut bien les appeler. Et le BIR en est un. Le BIR en est un. Et parfois, on ne peut pas dire que c'est toujours l'humilité qui préside dans de tels corps. Il y a parfois, excusez-moi, je vais le dire comme ça, toujours parfois un petit regard de condescendance que les corps d'élite ont sur les autres. Donc, il est bien possible que les policiers sont arrivés sur les lieux et ont fait les choses comme il fallait, je sais pas moi, mandat de perquisition, les papiers de mission, etc. Mais cette espèce de superbe, en réalité, qu'on connaît souvent au corps d'élite, a pu aussi, parce que là c'est un élément d'analyse, je ne dis pas que c'est vrai, a pu faire problème. Hein, d'autant plus que vous c'est qui là et tout, vous ne savez pas qui est. Je connais la mentalité camerounaise, moi. Vous savez qui est le patron d'ici, non, etc. Et vous venez perquisitionner, pourquoi, patati patata. Et puis, sur un rien, avec des gens qui, de par leur conditionnement et leur formation, ont souvent le sang un tout petit peu chaud, et puis ça va en vrille, sur un rien du tout. Quelque chose qui était supposé se passer cordialement, pacifiquement, et puis,
l'étincelle prend et ça s'embrasse. Alors, on a parlé de ces policiers et entre guillemets, ces éléments du BIR. Vous voyez pourquoi je mets les guillemets. Parlons de l'objet de la descente lui-même, c'est-à-dire le chicha. Ou si c'est le chicha ou la chicha, je ne sais même pas comment on appelle ça. C'est compliqué à dire. Alors, on dit qu'ils sont partis pour prendre ces chichas sur une note du ministre de la Santé qui interdit dorénavant cette affaire. D'accord, vous dites que c'est une bonne action, mais entre-temps quand même, comme le ministre est donc dans la volonté de poser des bonnes actions, il y a le médicament de la rue. Bernardo Basso, Alendo. Attends un peu. Il y a le whisky frelaté qui fait partie, qui tue les êtres humains. Il y a le formol dans les aliments. Il y a. Mais pourquoi seulement c'est le chicha qui intéresse le ministre de la Santé au niveau du FEMOS? Bonne question. Est-ce que je pourrais répondre? Allez-y, Alendo. Parce que, vous savez, c'est, il y a la question justement des whisky frelatés. J'ai eu comme ça sur un média frais il y a quelques années une position très rude vis-à-vis de la gouvernance du pays, des autorités, parce que je comprenais pas comment on peut être là et faire montre d'un tel laxisme sur le sujet. Les mots étaient durs, etc. On revient là-dessus. C'est toujours là, le phénomène est toujours là, en dépit de toutes les décisions prises, des notes, etc. Au plus haut niveau, on sait que rien n'a changé. De facto, rien n'a changé. On continue à consommer les whisky en sachet. Donc, tout le monde dit, les experts sont unanimes, même le ministre de la Santé est clair que le whisky en sachet tue les gens, mais il continue à être consommé. Donc peut-être qu'il... on ne vend pas le whisky en sachet au FEMOS. Peut-être que là, c'est, tu n'invites avec ta réflexion, ton questionnement de ce matin, peut-être qu'ils veulent commencer bien avec la chicha et puis ils vont amorcer avec les autres. Avec le whisky en sachet. J'espère que c'est le cas. Parce que sinon, je serais vraiment embarrassé par ton questionnement. Je le suis d'ailleurs. Parce qu'il y a tellement à en redire sur l'action gouvernante en matière de santé publique au Cameroun. Il y a tout ça, tous ces fruits au marché qu'on injecte le formol. Il y a le bromure de potassium sur du pain. Est-ce que le problème a été véritablement réglé? Résolu. Voilà, on a jasé là-dessus quand même à un certain moment dans les médias, j'en sais rien. Il y a le médicament de la rue. De la rue, patati. Il y a le problème d'urgence dans nos hôpitaux. C'est-à-dire que vous arrivez, il n'y a aucun médecin dans l'hôpital. Allez à l'hôpital central, un week-end. Est-ce que le ministre de la Santé n'est pas au courant de ces autres problèmes, Alain Doc? Non, il est au courant. Ah bon? Puisqu'on a toujours un certain nombre de problèmes là sur la table qui n'ont dit d'ailleurs. Non, le problème. Gravissime, qui n'ont jamais été résolus. Le problème de la traite des organes, etc. Alain Doc, ça finit. Le problème du FEMO, c'est plus important que ce que vous avez énuméré. Non, absolument pas. Absolument pas. Pierre Blériot, Niemec, que faisons-nous en pareille circonstance? En pareille circonstance, on évite le hors-sujet parce que moi, je mets en exergue un conflit entre les policiers et d'autres individus. Je ne mets pas en exergue le travail du ministre de la Santé. Le ministre de la Santé n'a pas été pris à partie au FEMOS. C'est des policiers qui ont été pris à partie. Si les gens qui les ont pris à partie ne sont pas des hommes en tenue, ça aggrave la situation de ceux qui les ont pris à partie. Parce qu'ils ne doivent pas entraver l'action de la police. L'action publique, oui. Ils ne doivent pas. Maintenant, si d'aventure, donc j'analyse de deux côtés, si d'aventure ils sont de bire, c'est donc cet orgueil qui habite les corps dits d'élite. Mais ils n'étaient pas dans l'exercice de leur fonction en tant que birois. Ce que j'ai voulu faire remarquer ici, et là, Alain Douk, je reviens sur votre analyse, la faute commune ne crée pas le droit. Si le médicament de la rue n'est pas résolu, cela n'empêche pas de résoudre la question de la chichia. C'est ce genre de commentaire que j'ai lu. Hein. Est-ce que c'est la chichia? Est-ce que la chichia est bonne? Si elle n'est pas bonne, il faut la combattre. Est-ce que pour combattre la chichia, il faut avoir précédemment résolu tous les autres problèmes? Je ne pense pas que les deux soient liés. Donc, dans ma dénonciation... Parfait, vous les gradez tout simplement, hein, par ordre de priorité. Non, je ne sais pas quelle qualité nous avons pour grader les problèmes. Je dis que la dénonciation met en évidence des éléments de la police qui sont pris à partie par des individus véreux. Et j'invite leur hiérarchie à sévir pour que cela ne se reproduise pas. Pour qu'on respecte chacun dans son champ d'action.
si la police, la gendarmerie ont une mission quelque part, s'ils rencontrent d'autres corps, que ces corps respectent l'ordre de mission des autres corps. Ils n'ont pas à s'interposer pour dire qu'ils ont plus de muscles. Et je félicite d'ailleurs les policiers qui étaient sur le coup, parce que par le passé, on aurait dit que c'était... Ça n'a pas été facile pour eux qui ont opposé cette résistance. Un coup de chapeau à la police qui a encore des éléments vigoureux. On n'a pas que ceux qui se tiennent là. Mais ils ont opposé une résistance farouche. Oui. Et ceux-là, ils ont accompli leur mission. J'invite leur hiérarchie à les primer. Mm-hmm. Ah bon? Bien sûr, à les primer pour avoir fait du bon travail. Et le FEMOS à se mettre en règle comme tous les autres endroits. Et c'est même d'autant plus sérieux que ce n'est pas un Camerounais qui est propriétaire de cette affaire. Si là-bas, ils laissent faire des choses qui sont bizarres, il faut bien que le Cameroun mette un œil. On ne sait jamais par où ça peut passer. Hein? On ne sait jamais par où ça peut passer. Il ne peut pas faire un no man's land à l'intérieur du Cameroun. On peut fouiller toutes les boîtes, tous les snacks, mais on ne peut pas fouiller le FEMOS. Pourquoi? Merci. Hein? Nous allons lire quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour à tous et bon début de semaine. Concernant la dénonciation du jour, pensez-vous vraiment que les policiers ignorent à qui appartient cet établissement pour venir y travailler? Que non. Ils ont bien dû respecter la procédure. Maintenant, pourquoi la chicha au FEMOS et non le whisky en sachet? Il faut bien commencer quelque part. Finalement, nous les Camerounais, que voulons-nous? Autre préoccupation ce lundi, que dit le téléspectateur? Bonjour le modérateur légendaire, le seul modérateur qui restera lorsque d'autres modérateurs auront pris la poudre d'escampette. Un bonjour particulier à tout ton panel. Rectification sur le nom d'acteur de ce nain-là. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Il s'appelait Etounou. Oui. Vous avez raison. Il s'appelait Etounou et non Emoro. Concernant la dénonciation de ce matin, ça reflète tout simplement le quotidien de notre pays. Personne n'est à sa place. Comme a dit un de vos panélistes, tout est à refaire. Dans notre pays, chacun doit être à sa place. On ne sait plus qui fait quoi. C'est Thomas de Japoma qui envoie cette préoccupation. Nous partons du côté du plus 33, c'est la France. Et que dit le téléspectateur de la France? Bonjour à vous les génies. Commencez par vous poser la question de savoir à qui appartient le FEMOS. Parfait, ici tu blagues avec le pays ici, hein. On a vu la GP de ce pays donner le café à Hervé Bogda, le grand mangeur d'une tote. Toi tu doutes encore? Mais Blériot, calme les nerfs. Un agent immobilier, c'est son sang-froid. Oh là là, ton ami est de retour, hein. Autre message ce jour, bonjour parfait et à tout ton panel, le FEMOS est un fief de drogue, je ne le dirai pas, hein. Il a même commencé à énumérer d'autres aspects des choses, comme je n'ai aucun élément, je saute. Alors, autre message ce jour, nous prenons... Alors, je pense que... Bonjour à vous sur le plateau. Est-ce que le bataillon d'intervention rapide sont de la sécurité nationale? C'est Mohamed Sangou qui envoie le message et continue en disant « Je pense que le ministre a agi pour des fins politiques. » Eh ben, moi je n'en sais rien. Autre message, bonjour les mineurs, Alain Douk, je l'aime beaucoup, son aura me plaît et il a le sourire de ma fille. Bien des choses à vous, c'est Ravila de Mimboman. Je souris comme une fille. C'est dangereux. Moi je comprends pas. C'est vrai, tu souris comme une fille. Et regarde, tu as des problèmes. Hein? Bonjour monsieur parfait à ici et à tous vos invités. Concernant le sujet policier Bir, mais certains citoyens se comportent comme si c'était le président de la République. J'ai regardé une vidéo qu'un citoyen avait filmée à bord de son véhicule. Malheureusement, il n'y a pas la fin de votre message. Hein. Il dit que c'est M. Guy depuis Mbanjok qui envoie ce message. Allons au 213. C'est l'Algérie. Bonjour au perfecto, le bire de la modération. Oh, franchement, ce matin, je ne comprends pas vraiment ce que Perfecto veut défendre. Perfecto, tu as posé la question de savoir qu'est-ce qui prouve que ces éléments sont du bire. Et moi, je te demande aussi qu'est-ce qui prouve qu'ils ne sont pas du bire. Si le monsieur veut vraiment que je réponde,
Je pense même qu'on explique ça à tous les hommes en tenue, hein, lorsqu'ils sont pour une opération. Même s'ils sont même en tenue, ils se présentent. C'est-à-dire, ils sont même bien en tenue. Oui. C'est-à-dire, vous voyez un policier avec les grades et les galons et tout ce qui. Mais ils se présentent. C'est moi l'inspecteur parfait ici. Je travaille pour le commissariat tant. Je suis en service. Monsieur, est-ce que je peux avoir les dossiers de votre véhicule? Il est bien en tenue. Mm-hmm. Pierre, même encore s'il est en civil. Alors, nous prenons un autre message ici. Bonjour, parfait à ici. Info TV a de très bonnes émissions. Je suis un fidèle téléspectateur de Libre Expression et de Espace Miné depuis plus d'un an. J'ai suivi Libre Expression d'hier avec beaucoup d'attention. Je suis fils du Nozo. Certains citoyens de la République du Cameroun se donnent le droit de prescrire ce qu'ils croient être la solution de la guerre que l'État du Cameroun a déclaré contre nous. Si certains Camerounais du Cameroun oriental continuent dans cette logique, nous n'allons jamais déposer les armes et nos enfants ne le feront jamais. Soyez-en sûrs, je suis un des principaux donneurs d'ordre. Si votre gouvernement continue dans cette logique, tu es un des principaux donneurs d'ordre? Il s'agit de quel ordre là? Si votre gouvernement continue dans sa logique de vouloir dératiser notre zone, comme l'a dit certains Camerounais tels que... Et dans le nom d'un ancien collègue, hein, je vais sauter. Le Cameroun n'existera plus. On va incendier le Cameroun dans son entièreté. Bon, je ne vais pas continuer à lire de tels messages, hein, parce que vraiment, c'est pas sur ce plateau que vous allez passer ce genre de message. Et je saute. On prend un autre message. Bonjour Perfecto. Donc ça peut arriver que Monsieur Niemek et toi, vous vous lancez les pics. Ça prouve la sincérité dans vos rapports. Je pense que la consommation de chicha est interdite au Cameroun. J'aime bien quand ces gars se tapent dessus. C'est juste le visage idée du pays. C'est Landry et Chémon. Donc, Landry boit du petit lait. Il est content. Perfecto. Pourquoi le dimanche à Libre Expression, quand tu présentes M. Niemek, tu ne dis pas notre consultant de tout temps et de tous les temps, de celle qui restera quand tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette? Parce que c'est Libre Expression et ici c'est Espace Miné. Autre message ce matin. Bonjour le monstre de la modération. Il ne s'agit pas de la chicha, mais du gaz hilarant qui se vend dans ces milieux. Cette drogue détruit les jeunes. Autre message, et nous partons une fois de plus au plus 33, c'est la France. Bonjour, bonjour, parfait, ici et toi, Adalbert, le Dieudonné chi de la modération, qui règne en maître absolu sur les consultants, Niemek et politologue Eric Mathias, de l'espace. Ouais. Parfait. Dieudonné Chi est en train de cimenter sa place à Info TV. Il faut toujours l'inviter. On n'a pas encore fini de texter quelque chose. Peut-être il veut dire tester quelque chose. Concernant la dénonciation, si on était dans un pays normal, je dirais que chacun avait son travail, c'est-à-dire la police pour le maintien de l'ordre et le BIR pour intervenir au NOZO. Mais comme nous sommes dans un pays bizarre, où tout est désordonné, où on voit par exemple quelqu'un dit de composer dans une filière en cardiologie, son nom sort Morguin, il ne faudrait plus s'étonner. Frère, c'est terrible. Merci, hein. Bernard Ona, le buveur de liquide chaque dimanche depuis Paris. Okay. Depuis Paris. Alors, on va répéter deux ou trois dernières préoccupations, hein. Bonjour à vous sur le plateau. Le professeur Noubissi, votre village Balingo n'est pas dans le Ronkam. Balembo. Bon, là, on suit Balingo. Ce n'est pas Balingo, c'est Balembo. Voilà, Balembo. Voilà, donc vous pensez que le professeur, lui, ignore le département où il est originaire. Alors, que dit cet autre téléspectateur? Bonjour, le Ndaichi, quand de la modération, j'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. S'il te plaît, parfait, dis à mon grand frère Niemek de baisser le cœur. Bonjour, El Perfecto. Ce que vous ignorez est que le Famous est gardé d'accord par le BIR. Merci.
Haute préoccupation. Bonjour, parfait ici, très belle émission. Vous faites bien de mettre des guillemets quand vous parlez des éléments du bire, parce que quand ça vous tombe dessus, vous êtes le seul responsable. Dites à Blériot qu'on n'attache pas la bouche le lundi. Bonne dimanche, bonne émission à vous. C'est Basile, depuis la cité de la paix. Blériot, il faut plus attacher la bouche. Nous allons marquer. Oui, vous aviez un petit autre commentaire, professeur. Merci beaucoup. Franchement, je ne pourrais pas laisser passer cette opportunité sans dire ceci. Les problèmes des drogues au Cameroun deviennent de plus en plus sérieux. Et je travaille dans un projet qui prend en charge les consommateurs de drogue. Quand un enfant prend l'option de consommer la drogue, il doit savoir quel est le futur qu'il attend. Les futurs sont sur trois options. Soit il aura un cancer de la gorge, du poumon, du foie, soit il aura un problème mental, il aura ce qu'on appelle la schizophrénie, qui est une maladie mentale non guérissable jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que beaucoup de consommateurs de banga au Cameroun ne savent pas qu'à la longue, ils vont devenir fous, ils vont devenir schizophrènes. On va les voir dans les rues. J'en connais beaucoup qui étaient avec moi. Quand j'ai commencé la musculation, on travaillait ensemble et ils consommaient. Quand vous allez entre Obili et Melin, vous allez voir trois de mes amis là-bas qui sont mentalement, qui sont schizophrènes. Et autre chose également, c'est que ça vous expulse, vous devenez rire de la société. Bon, franchement, je vous remercie, M. Parfait, ici, pour dire, mes chers frères, mes chers jeunes, ne commencez même pas. Parce que le plus souvent, quand on a commencé, il est très difficile d'arrêter. 10h11h52, c'est une autre manière de faire la télévision. A tout de suite pour la suite. En septembre, commencez la rentrée avec une bonne note. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de tout Canal Plus offert pendant 15 jours. Prenez des cours de séduction avec le Bachelor. Mettez-vous au sport pour retrouver les plus grands championnats de football. Première Ligue, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Saudi Pro League, Ligue des Champions et toutes les plus belles compétitions. Prenez des cours de chant avec la dernière voix. Comme toujours, on a des petits Congossa dans la rébellion sur Novelas TV. Et parfois, ça tourne mal, comme dans Obatanga saison 2. Rejoignez le Canal Plus Campus. En ce moment, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5000 francs dès la formule Access. Avec Canal Plus, la rentrée, c'est 10 sur 10. Du 28 au 30 novembre 2024, la Fédération camerounaise de cyclisme en partenariat avec le complexe Bagofit Sound City organise la course nationale VTT Chantalbia. Au programme, une marche sportive et patriotique à travers la ville d'Abomban. Une grande campagne de soins gratuits aux populations d'Abomban et environ. Une foire exposition et économique et enfin une soirée culturelle. La course nationale VTT est placée sous le très haut parrainage de la première dame Chantal Biya, marraine de l'événement. La course VTT Chantal Biya, c'est au moins 200 coureurs, 4 catégories, sur une distance de 60, 48, 36 et 12 km. Contact 6 99 91 19 63 6 72 69 83 55. Avec la course nationale VTT Chantal Biya, vivez votre passion du cyclisme. Supporter de la colombe sportive du J Lobo, l'oiseau du sud, Mbolo. Ton maillot de supporter, tu l'as? À l'approche de notre prestation à la finale de la Coupe du Cameroun, achetons chacun un maillot, une écharpe, une casquette aux couleurs du club et donnons de la force à nos joueurs. Tous nos articles vous attendent dans les agences Buka Voyage et dans les boutiques Edimo Sportwear de Place à Yaoundé et de Grand Mall de Douala. La colombe sportive, tous ensemble, permettant à l'oiseau du sud de voler plus haut. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là.
devient propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous déstressez, vous détendre, passez du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable. Une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face du Lafa. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en voilier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait certainement le meilleur choix. C'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé au Cameroun 24 sur 24, 7 jours sur 7. Le programme c'est Espace Miné et nous prenons la dernière ligne droite de ce programme avec cet instant de l'analyse. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt important pour disserter sur le leader. Une interrogation fondamentale au Cameroun. Est-ce que nous trouvons encore les leaders? Le Cameroun a-t-il encore de vrais leaders? Et je vais donc d'abord passer la parole au professeur Claude Noubissier, qui est psychosociologue, pour être sûr que nous serons au même niveau d'information. Il va d'abord nous définir ce que l'on entend par leader. Nous l'avons déjà fait sur ce plateau il y a plusieurs mois, mais compte tenu de l'importance du sujet, nous allons le refaire. C'est lui qui est enseignant et il nous dira que la répétition est la mère des études. Professeur, qu'entend-on par leader? Merci beaucoup, Monsieur Parfait. En tant qu'enseignant, la répétition, dit-on, est la mère de l'enseignement, de la connaissance. Mais je pense également que la dernière fois, on avait beaucoup plus porté notre dévolu sur le concept de modèle, ce qui était dans une forme de rhétorique avec leader. Parce qu'il va falloir dire que ce jour-là, on s'était beaucoup donné à préciser ce que c'est que le modèle. Y a-t-il des modèles? Alors aujourd'hui, on va poser une question qui n'est pas très loin de celle-là, parce que le démarquage entre modèle et leader, sur le plan de la sémantique et de la sémiologie, et même sur le plan lexical, n'est pas un peu comme l'épaisseur d'une aiguille. C'est-à-dire qu'on peut se dire modèle, on peut se dire leader, même si il faut également le dire, est-ce que tout leader est un modèle? C'est-à-dire qu'au départ, à la base, le leader, c'est quelqu'un qui a la capacité, une capacité endogène, une capacité exogène. C'est-à-dire qu'il présente d'abord des charismes, il présente des qualités que certaines personnes recherchent. Et certaines personnes recherchent et commencent à s'intéresser à celui-là. Et lorsqu'on s'intéresse à lui, parce qu'il a certaines qualités, certaines positions, certaines visibilités, il commence à créer, il commence à attirer de par ce qu'il va maintenant faire. C'est-à-dire, on verra dans les capacités exogènes. C'est-à-dire, les gens vont trouver dans son discours, dans ce qu'il dit, dans son style
dans ses manières, dans ses caractéristiques, ce que eux-mêmes ils aimeraient avoir. C'est donc à ce moment-là qu'il devient un modèle, c'est-à-dire qu'on peut servir, qu'on peut apprendre, qu'on peut enseigner, qu'on peut donner aux autres, qu'on peut même protéger. Et maintenant, lorsqu'il est donc porté de tous ses atouts, il peut donc être érigé en leader, c'est-à-dire à celui-là qui suscite attraction, qui suscite le suivisme, ou encore qui suscite, comme on le dit dans le jargon et dans le contexte actuel, des followers, c'est-à-dire que les gens qui ou encore les fans, dans une autre approche conceptuelle. Bon, le leader, c'est d'abord quelqu'un qui est porteur d'un message, qui est porteur d'une idée, qui est porteur des convictions, qu'il aimerait partager avec ceux qui sont appelés à le suivre, qui deviennent soit ses followers, soit ses fans, soit ceux qui l'idolent, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire que ceux qui le prennent comme un petit dieu. Bon, ces caractéristiques de leader, on peut les retrouver n'importe où. On peut les retrouver sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan social, sur le plan artistique, à tous les niveaux, même sur le plan familial. C'est-à-dire que lorsqu'on est porteur d'influence, lorsqu'on est porteur d'idées, lorsqu'on est porteur d'un certain charisme, lorsqu'on a reçu l'onction des autres, parce qu'il va falloir, on est porteur du charisme. Pour qu'on devienne leader, il va falloir qu'on reçoive l'onction de ceux-là qui peuvent tout donner pour nous. C'est à ce moment-là que ça devient difficile. Vous allez vous rendre compte que, moi, je raconte une petite histoire. Oui. J'étais en France en 2018, et avec une star qui arrivait en France, mais je vous assure, les gens avaient fait des tentes. Ils ont passé les nuits, deux nuits, trois jours pour attendre la star. Mais ceux qui ne sont pas avertis vont se dire, mais ça c'est de la folie. Comment est-ce qu'on peut perdre son temps, donner tant le point c'est que chaque leader est porteur d'un charisme, est porteur d'une certaine puissance, que c'est nous, en tant que fans, ou en tant que suiveur ou follower, qu'il est lui dedans. Bon, le charisme, la puissance qu'il a, c'est une puissance d'attraction qui fait que si vous n'avez pas le cœur bien assis, si vous n'avez pas l'intelligence bien assise, vous allez devenir même fou ou folle. C'est donc pourquoi on se rend compte que dans certains cas, il y a des fans qui deviennent fous ou bien qui deviennent folles. Il y a des leaders, des followers qui ne jugent que de votre nom, qui ne jugent que de votre appréciation parce que c'est tout un champ d'influence. Très bien. Tout le monde veut être à côté de vous, tout le monde veut vous écouter, tout le monde veut vous entendre et si vous n'êtes pas vous-même le leader, vous n'avez pas certaines caractéristiques, vous pouvez commettre d'énormes bêtises, c'est-à-dire que vous pouvez susciter rébellion, susciter soulèvement, parce que ceux qui vous écoutent n'ont plus d'oreilles, que les oreilles sont suspendues à vos lèvres. Et si vous n'avez pas certaines qualités, vous pouvez les induire en erreur. Professeur, après avoir donné toutes ces explications, vous allez garder encore le microphone momentanément. Hein. J'ai une autre préoccupation. Est-ce qu'on est leader ou alors on devient leader? Très très bien. Mais est-ce qu'on est leader? Vous savez, sur le plan de la sémantique spirituelle, on va vous dire que certaines personnes naissent déjà avec des bagues à la main, avec des cuillères à la main, qui leur donnent déjà une certaine notoriété d'attraction vis-à-vis des autres. Mais nous, en tant que psychologues, nous pouvons fabriquer un leader. La psychologie, nous les psychologues, pouvons fabriquer un leader. On peut faire, je prends un cas. On a parfois vu les miss à une certaine époque qui n'étaient que les filles d'une certaine taille, d'un certain nombre de poids. Mais on a vu une grosse révolution qui a été faite au Cameroun avec ce qu'on a appelé les miss Mama Kilo ou en Côte d'Ivoire. On voyait également qu'on ne devait pas être miss de les filles, gens qui avaient bien emballé. Bon, le pouvoir ou les qualités que le leader a sont des qualités qui lui donnent à innover, à transformer les idéologies, les pensées, les comportements des gens. Alors, pour donc avoir ces qualités-là, il va falloir que la société, c'est la société qui peut vous donner les éléments en fond de votre posture. Et ça se crée soi-même. Imaginez-vous, quand vous étiez au lycée ou au collège, il y a les gens qui n'acceptaient jamais être chef de groupe. C'est-à-dire que lorsqu'on dit chef de groupe, ce n'est pas leur affaire. Mais il y en a qui, chaque fois lorsqu'on a des chefs de groupe, on ressentent une nécessité d'être chef de groupe. Même quand vous êtes parfois, même ce sont vos camarades unanimement qui vous choisissent. Hein? Voilà, parfois, même ce sont vos camarades unanimement. Ça veut dire que vous avez un certain ressenti, vous avez un certain écho qui font que cela voit en vous la naissance ou un leader qui est caché en vous. Également, vous allez vous rendre compte que même dans... Prenez un cas simple.
Notre frère, monsieur, nous disait tout à l'heure qu'il a été au 2-0 hier. Alors, vous allez vous rendre compte que même quand les gens se réunissent pour jouer, quand on forme les équipes, il va falloir avoir des capitaines. Il y en a qui ne vont jamais chercher à être capitaine. Bon, il y en a qui vont se dire, je suis le capitaine. Bon, pour être, bon, pour dire que... Parfois, même vous voulez même le désigner comme capitaine, vous dites, non, il dit, non, c'est pas pour moi. Bon, il y a les gens qui croient que être leader, c'est pour les autres. Il y a les gens qui croient que être leader, c'est pour eux. Bon, on peut donc voir ces deux orientations-là, c'est-à-dire à la fois intrinsèque, ou est-ce que c'est charismatique, on est avec, très ou bien. Encore que on peut avec des comportements également la société pour faire de vous son leader. Il y a des gens qu'on a dit tout à l'heure, ils ne se sont pas choisis, mais les autres disent que non, toi tu peux porter ce projet-là, tu peux être devant, nous allons te suivre. Bernard Rona, lorsque nous avons planté ce décor par le professeur Levissier, nous entrons donc dans le vif du sujet. Et là, nous allons donc commenter et analyser. Le cas du Cameroun nous intéressera de manière singulière. Lorsque vous regardez les Camerounais dans divers domaines, êtes-vous encore de ceux qui pensent qu'au Cameroun, nous avons des vrais leaders? C'est une question difficile. C'est une question difficile, pour être honnête. Je suis un peu embarrassé parce que, personnellement, je ne trouve plus beaucoup de leaders dans notre société, dans nos communautés, dans nos familles. Quand je suis les explications que donne le professeur tout à l'heure, bon, si j'étais le modérateur, je lui aurais demandé de me citer quelques exemples de leaders au Cameroun. Mais comme c'est pas moi le modérateur, bon, ça... Mais vous pouvez toujours arracher ce rôle. Donc, comme ce n'est pas moi le modérateur, je reste d'abord tranquille avec moi, parce que Bernard, vous savez qu'en télévision, bon, il y a certains, entre guillemets, vendus, qui peuvent citer des noms, mais il y a des gens, d'autres personnes un peu plus réservées, qui n'aiment pas citer le nom. Effectivement. Je présume que c'est le cas du professeur. Je ne pouvais pas s'amuser à... Mais quelqu'un de sur ce plateau pourra vous donner des noms. je vais donner des noms, je peux donner un bon leader comme Samuel Eto'o. C'est un leader, pour moi, c'est un leader qui est très suivi. Qui est très suivi. Donc, je dis qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a de moins en moins de leaders. Pourquoi je le dis? Parce que, sincèrement, nous avons dans nos familles, dans nos communautés, dans notre système gouvernant, nous avons des gens qui se sont pratiquement autoproclamés leaders. Ouais. Donc, habituellement au Cameroun, pour parler du Cameroun, nous avons un système politique qui crée des leaders. Le président Biya, quand il est dans son droit avec son décret, il signe. Dès qu'il décide que le professeur Mivici sera recteur, c'est terminé, il devient un leader pour la communauté Balemo, Balebo, Balembo, 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 voilà, Balembo, Balembo dans le haut camp. Donc, motion de soutien, marche de soutien, etc., etc. Et appel à candidature. Appel à candidature. Donc, les leaders aujourd'hui, lui-même l'a si bien dit, sont peut-être une fabrication de la société. Les leaders aujourd'hui sont parfois aussi l'émanation même du destin. Il y a des gens qui naissent leaders. Vous avez pris certains exemples là, même dans nos 2-0, dans nos équipes de football, dans nos petites structures communautaires. Il y a des gens qui se démarquent et qui font l'unanimité. On décide de les placer au-dessus, de prendre la direction de tel regroupement. Il y en a quand même, il y en a encore des leaders, mais ils ne sont plus nombreux parce qu'aujourd'hui, tout est calculé, tout est intéressé. Dès que vous voyez quelqu'un prendre la responsabilité d'être leader, il attend que les gens le suivent. Il attend que les gens fassent sa politique, il attend que les gens viennent pour qu'ils puissent les utiliser à d'autres fins, beaucoup plus politiques et politiciennes. Et donc, personnellement, je crois qu'on a de moins en moins de leaders, de moins en moins. Mais au Cameroun, il y en a, même sur le plan politique, il y a quelques personnes qui se démarquent, ils ne sont pas nombreux. Sur le plan sportif, il y a quelques personnes qui se démarquent. Sur le plan économique, il y a quelques personnes qui se démarquent. Mais honnêtement, nous ne sommes plus nombreux, ceux qui peuvent quand même dire que celui-ci fait l'unanimité, c'est un bon leader, parce que la société aujourd'hui nous montre des visages qu'on ne peut même plus nous-mêmes déchiffrer, parce que les gens sont de plus en plus malhonnêtes, les gens sont de plus en plus calculateurs, opportunistes, les gens veulent être leaders pour trouver leur compte. Très bien. Pour trouver leur compte exclusivement. Merci Bernard Ouna. On va passer la parole à Pierre Blériot, Niamek. Pierre Blériot, au regard des explications du professeur tout à l'heure et maintenant de l'analyse de Bernard de manière globale, qui pense qu'au Cameroun,
on a de moins en moins de leaders. Et il a évoqué quelques raisons. Je vous pose la même question. S'il est d'abord vrai, il dit si, il est d'abord vrai qu'au Cameroun, nous n'avons plus beaucoup de leaders, qu'est-ce qui peut justifier cela? Non, je pense que la scission, la différence qui a semblé être très mince entre leader et modèle a tué un peu la spécificité du leader. Le leader n'est pas forcément un modèle. De l'anglais lead, conduire, mener, vous voyez, le contraire de lead, c'est follow. Et c'est pour cela que constamment il disait c'est followers. C'est un concept que les Anglais nous ont donné et qui donne le nom leadership. Le leader, en général, c'est quelqu'un qui, lui, connaît le chemin. Et il peut entraîner les autres sur ce chemin, ceux qui le suivent. Donc, le leader, je peux le comparer au pasteur dans le cadre de l'élevage. L'église. Non, de l'élevage. Okay, d'accord. Voilà. Ouais, le pasteur a des brebis. Oui. Il a un troupeau. Dans le troupeau, il y en a qui ne se comportent pas bien. Le pasteur a la charge de les maintenir en ordre et de les conduire quelque part. Il doit donc pouvoir les maîtriser. Voilà, le leader doit avoir le dessus sur le troupeau qu'il conduit. Troupeau entre guillemets. Hein. Encore qu'à la vérité, derrière un leader, c'est toujours un troupeau. Même si on enlève les guillemets, ça reste un troupeau. Tu es un peu trop brutal. Oui, mais c'est la vérité. Parce que vous allez voir, quand le leader est bien suivi, on fait tout ce qu'il demande de faire. Celui qui vous a donné un exemple d'un leader, effectivement, c'est un leader. Sauf que son leader ne sait pas où il va. Et le danger, donc, quand le leader lui-même n'a pas... Oui, c'est le leader que tu as. C'est un leader qui ne sait pas où il va, mais qu'on suit. Lui-même cherche la route, on le suit. Et c'est le danger, donc, de beaucoup de leaders. C'est-à-dire, quelqu'un vous conduit vers des chemins qui ne mènent nulle part. On a vu un jeune politicien camerounais que nous avons porté à devenir un leader, parce que vous donniez des exemples. Mm-hmm. Ce n'était pas le garçon qu'on mettait devant quand il fallait être dans les mouvements, non. Mais il avait d'autres qualités que nous avons exaltées pour dire que non, tu as telle ou telle qualité, tu peux conduire. Sauf que quand il a commencé à conduire, il y a un autre danger qui guette le leadership, l'orgueil, la vanité. Quand on commence à vous dire que vous savez, vous pouvez vous complaire et commencer à penser que vous savez tout. Et ne plus vous cultiver, ne plus vous informer vous-même, ne plus apprendre. Parce que le leader doit être au fond de lui. Il ne doit pas montrer ses faiblesses à la troupe, mais au fond de lui, il doit savoir qu'il est un humain qui a des défauts, qui a des insuffisances, qu'il doit combler au fur et à mesure. Moi, je vais vous citer un leader dont j'ai très bien entendu parler. Ruben Oumniobé. Ruben Oumniobé, contrairement à ce que les gens croient, étudiait beaucoup. Avant d'accepter d'être SG de l'UPC, il a fait mettre deux autres avant lui. Ça, pour la culture déjà. Il est le troisième. Et avant de prendre ça, il s'est référé plusieurs fois à son maître formateur qui était Gaston Donat. Il dit que, mais voici des gens qui croient que moi, je suis tout puissant, omniscient. Et Gaston lui avait dit non. Tu vas utiliser leur foi pour faire ton travail. Mais toi-même, tu dois continuer à travailler sur ta propre personnalité. Parce que le leader, donc, en ce sens-là, doit inspirer. Quand vous n'inspirez plus, ceux qui continuent de vous suivre, là, c'est les moutons. C'est comme votre leader. C'est-à-dire que on se rend compte qu'on est perdu. Quel leader? Celui que tu as cité. Okay. On est perdu. Quelqu'un a dit qu'il vous amenait à Douala. Mm-hmm. Vous êtes déjà à... comment on appelle? À Minganga. Oui. Hey. Vous êtes à Minganga. Quelques curieux demandent aux gens, est-ce qu'il y a Douala par ici? Là-bas, Minganga, on ne connaît plus le nom. On dit non. Ici, Douala, c'est quoi? Il dit que non. Et le leader, lui, ne fait que avancer. Les plus entêtés, les téméraires disent, ah, si le leader a dit que c'est Douala, c'est que c'est Douala. Ils vont comme ça. Vous avez vu des leaders religieux amener les gens à mourir en groupe. Ouais. Mm-hmm. Parce que la vérité, la confiance, et le professeur l'a dit, qu'on met en le leader, vous dépossède de votre personnalité. Vous vous confondez à sa personnalité. S'il a dit quelque chose, j'entends souvent dire,
Notre leader a toujours raison. Quand il a tort, c'est la première règle qui s'impose. C'est-à-dire, la première règle, c'est que le leader a raison. Deuxième règle, quand il a tort, c'est la première règle qui s'applique. C'est-à-dire, il a raison. vous comprenez. Donc, on a des leaders dans tous les domaines, mais est-ce qu'ils sont de vrais? Non, ils sont de vrais pour de vrais followers. Parce que si vous-même, vous ne vous donnez pas une discipline sur là où vous voulez aller, vous devez vous choisir vos leaders. Moi, je veux avoir pour leader quelqu'un qui a réussi sa vie, par exemple, économique, qui a réussi sa vie sociale. Mais qu'est-ce que je vais foutre avec quelqu'un qui n'est pas marié, qui estime qu'avoir les enfants, c'est inutile, qui croit que s'il a de l'argent, il faut aller jouer. Si tu le choisis comme modèle, il va te conduire où? Maintenant, quand tu choisis un leader, sache que ça n'a pas été facile non plus pour lui-même. Parce que ce que vous voyez comme réussite est souvent, cache souvent des efforts qui ne sont pas expliqués et même certains qui ne sont pas explicables. Donc, quand vous suivez un leader, rassurez-vous qu'il incarne les valeurs que vous voulez représenter, qu'il maîtrise lui-même la voie qu'il va suivre et qu'il reste à l'écoute. Parce qu'aucun homme n'a l'omniscience. Merci, hein, Pierre Blériot. On va passer la parole à Alain Douc. Alain Douc, Blériot a dit un certain nombre de choses. Je pique une question dans ce qu'il a dit. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse recadrer le leader? Ou alors, comme c'est le leader, on ne peut pas lui apporter des reproches? Non. On doit pouvoir recadrer le leader. Je m'explique. Vous savez, on l'a dit, je serai, pour faire mon analyse, obligé de revenir sur des éléments qui ont été évoqués. L'anglicisme dont on a fait un emprunt en français, leader veut bien dire conduire. Donner. Tout à fait. Bien. Maintenant, avec le titre, je veux dire, que nous avons là, le Cameroun a-t-il encore des vrais leaders? Maintenant, il se pose une question. Parce que vrai, en quel sens? Vous savez, on peut conduire des gens, on peut mener des gens. On peut susciter des gens en notre suite, mais pour quelle fin? Parce que c'est là où il faut faire le distinguo. Et je pense que ici, lorsqu'on a formulé ce titre, on voulait interpeller sur quelque chose de foncièrement éthique. Tout à fait. C'est-à-dire, parce que vous savez, aujourd'hui, alors pourquoi nous parlons de vrais leaders? C'est en ce sens, c'est pour aider les vrais leaders. C'est un vrai leader, c'est bien pour avoir des faux leaders. Alors, vous avez remarqué que dans l'économie actuelle du leadership, et ce, au niveau mondial, il y a un type de leadership de la perversion, où on voit des gens suivre des gens que nous pourrions, sous certains critères, considérer comme des dégénérés. Mais on les suit. Donc, même ceux-là, ils sont quand même des leaders. Ils arrivent à amener des gens, amener des gens, des foules à les suivre. Donc, ils sont aussi leaders d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ça veut dire qu'au Cameroun, à la question, y a-t-il de vrais leaders? Quand je regarde l'état des lieux, la perversion, les ténèbres sur le plan spirituel, la régression mentale, l'aliénation qui nous caractérise à majorité en cette époque, on peut dire que, les amis, si le critère est celui de l'éthique, ben, on n'a pas beaucoup de vrais leaders. Parce que si on en avait beaucoup, sectoriellement, ces leaders, puisqu'ils sont appelés à mener les foules à leur suite, ils auraient une influence positive. Parce que c'est ça, finalement, le but d'un véritable leadership, du vrai leadership. Créer une dynamique positive, une dynamique transformatrice, une dynamique impactante, une dynamique de croissance, une dynamique d'élévation, et ce, à tous les niveaux. Et ça, ça manque lorsqu'on observe le pays. Alors, dans la théorie des organisations, il y a une différence fondamentale à faire entre le leader et le patron. Parce que beaucoup sont des patrons ici et veulent se considérer comme des leaders. Le grand chef, le boss, comme on dit. Bosses people, it is not lead them. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, le patron, lui, se met au-dessus de la pyramide hiérarchique. Il considère tous ceux qui sont en bas de l'échelle sociale ou de la pyramide hiérarchique comme des espèces de sous-fifres, d'esclaves, des gens qui sont là pour recevoir ses ordres, ils s'exécutent. Ils peuvent même utiliser des outils d'intimidation, de frustration, etc., de dépravation, pourvu que les objectifs qu'ils s'assignent soient atteints. Ils peuvent même déshumaniser les gens un tout petit peu, pourvu que les objectifs qu'ils s'assignent soient atteints. Le leader, c'est pas ça.
Le leader, en réalité, ne considère pas ceux qui viennent à sa suite comme des choses. Il ne les déshumanise pas. Il s'identifie comme étant une part d'eux-mêmes. Il s'identifie comme étant eux. Il cherche à révéler ce qu'il y a de meilleur en eux. Il les conduit certes, mais il apprend d'eux-mêmes avec eux. Il leur apprend comment faire dans le processus. Et pendant qu'il vous apprend comment faire, il vous dit, ben voilà comment ça doit se passer. Il vous accompagne même dans la façon de le faire. Et puis à la suite, il vous dit même, je vais plus loin. Et là, le professeur me regarde. Il vous dit même, voilà comment vous pourriez faire seul si je ne suis pas là. Parce que le dessein du leader, finalement, ce n'est pas de rester leader ad vitae éternam. Le leader prend conscience des véritables enjeux liés à l'avenir. Il sait qu'il est immortel et demain, il pourrait ne plus être là. Il pense à la relève. Parce qu'il y a des demi-urges là qui, eux, se comportent comme si, oh, il n'y a pas de lendemain, il sera là éternellement. Il va la jeter. C'est un problème. Et c'est un problème. On doit penser à cette transition générationnelle. Le leader, le véritable, il y pense. Donc, si je dois m'arrêter là, je dirais, ça nous manque de véritables leaders. Ça nous manque éperdument. Prenez tous les secteurs, les leaders. Les leaders religieux là, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui au pays là, hein? C'est des gens qui mènent des gens à la gêne. Le Cameroun est mal parti à cause de toutes ces entités sectaires qui écument le pays, etc. Et dont on n'arrive même plus à avoir le contrôle, etc. Donc, il faut revoir ça, notre leadership. Mais je suis sûr que, en dépit de cette majorité néfaste, il y a quand même encore des Camerounais sérieux qui, à certains niveaux dans la société, essaient d'apporter une influence positive sur leurs concitoyens. C'est le cas pour vous avec cette émission en média. C'est le cas certainement le avec le professeur. Ben, vous avez des gens à votre suite, monsieur. Ah bon? Ouais. Blériot, je vois aujourd'hui cette espèce de d'émulation que Blériot crée en ligne, etc. Des gens qui le suivent, etc. J'espère qu'il va positivement utiliser cela. Et voilà, chacun de vous. Et toi aussi, sur le plateau ici, des gens ont dit ici qu'ils te voient comme, je sais pas moi, gouvernant. Tu vois que d'une manière ou d'une autre, on voit des qualités de leadership. C'est pas moi qui dis. Hein? Donc c'est un peu ça. Merci Alain Douk. Lisons encore quelques messages avant de revenir vers le professeur. Bonjour, Monsieur Parfait, ici, bonjour aux panélistes. Monsieur Parfait, ce pays est une bombe à retardement. C'est Nana Denyala qui envoie le message et il continue en disant, Monsieur Parfait, ici, Samuel Eto'o est un leader, n'en déplaise aux hiboux, en commençant par... Je saute l'autre partie, là. Les gars, alors, alors ce message ce matin. Bonjour au panel, bonjour Perfecto. Je suis Émile Ntogué. Demandez un peu à votre consultant Niamek pourquoi il n'arrive pas à se dépêtrer des fixations sur des personnes qui font de lui un homme. Le reste, on va sauter, hein. Autre message ce matin, bonjour le leader de la modération, bonjour également au panel, pour ce qui est des leaders, nous en avons à l'appel, car le leadership est une question de charisme qui influence une certaine masse et qui suit parfois moutonnièrement. Seulement, le vrai leadership est celui qui est utile de manière objective. Et ça, nous n'en avons plus beaucoup. Les meilleurs leaders sont les plus combattus et les plus piétinés au Cameroun. Et dans ce sens, je pense que Blériot a un problème avec les leaders de sa contrée. Bravo à l'analyse Alain Douk, Sylvain de Yaoundé. Blériot, vous avez un problème avec les leaders de votre contrée? Oui, oui. C'est lequel? Le problème de leader de ma contrée, c'est qu'il continue de dire que le Bassa est un homme intègre, droit et autre, et qui ne le sont pas. Et je peux le prouver, leader par leader, c'est le problème que j'ai avec eux. Très bien. Lisons notre message. Bonjour Espace Miné. Aujourd'hui encore, le live est fluide. Il est agréable de vous écouter. Merci encore. Au Cameroun, y a-t-il encore des leaders? Le mot leader est un anagramme du mot dealer. Au Cameroun, nous avons de moins en moins de leaders, mais certainement beaucoup de dealers. Un pays plein de fidèles, de préceptes, de spiritualité curiste, bangadoïste, chanvriste et chichaïste n'est pas un pays de leaders, mais des dealers. Lilungono, leader ou dealer, Bobda,
Le message est parti. Le message est revenu. Borda, leader ou dealer. Le Cameroun a peut-être des dealers. Le Cameroun a peut-être dealé son leadership contre le désordre. C'est Papou depuis dragage à Yaoundé. Très pertinent. Oui. Autre message ce matin. Nous allons prendre rapidement celui-ci. Alors, bonjour à vous sur le plateau. Est-ce que... Non, on avait lu ce message. Hein? Vous allez m'excuser, mais au Cameroun, il y a beaucoup d'influenceurs que des leaders. Pour moi, le leadership est un état d'âme. Il est une personne qui connaît très bien la voie dans la vérité. Au Cameroun, c'est moins courant à cause de la mauvaise organisation de notre pays. Prenons deux ou trois dernières préoccupations de nos valeureux téléspectateurs. Hein. Alors, en plus, 33, c'est la France. Bonjour à vous, les génies. Il y a encore des leaders dans ce pays, comme Bernard Ohona ou encore Blairou Niemek. C'est un homme très intelligent et charismatique. Dites-lui que j'ai ces 2000. J'ai besoin d'un studio moderne à Yaoundé. À qui? À Blairou? Ça doit être le monsieur qui parle toujours d'argent improvisé, là. C'est lui. Désolé, on a retrouvé les anciens messages. Non, mais ça va m'amuser. Il veut me faire dire beaucoup de choses, mais ça va m'amuser. Eh oui, oui, oui. Alors, autre message. Vous bavardez même quoi? Parfait, ici et toi, est mon leader. Merci beaucoup. On repasse la parole au professeur Noubissi. Professeur, lorsqu'on parlait de leader tout à l'heure, hein, je pense que Alain Douk a légèrement voulu aborder ce problème. Peut-être vous irez en profondeur. Est-ce que le leader est forcé d'avoir également des bonnes qualités éthiques? Ça, c'est une très belle question. Mm. Pourquoi? Parce que la psychologie du leader fait parfois de lui un démiurge, comme a dit mon prédécesseur. C'est-à-dire que la posture qu'il a, c'est une posture divine. Mm. Et les gens ont tendance à le suivre, même sans se poser des vraies questions. C'est-à-dire la question de savoir, est-ce que l'idéologie qu'il porte est la bonne? Est-ce que la transformation qu'il promet est la bonne? Est-ce que le chemin qu'il prend est le bon? Bon, parfois, la force d'attraction qu'a un leader fait que parfois même adulé. C'est-à-dire il devient parfois il a des idoles. Il a des idoles. Et les gens passent même des nuits. Ou alors c'est lui qui est notre idole. Voilà. Je voulais dire, c'est lui qui est notre idole. Il devient votre idole. Voilà. C'est vous qui le prenez comme votre petit Dieu. Tout à fait. Alors ces caractéristiques-là font donc de lui quelqu'un de différent des autres. Alors maintenant, en tant que scientifique, en tant qu'éducateur, les gens devraient se méfier, prendre un peu du recul et entrer dans un fond de discernement avant de suivre un leader. Parce que le plus souvent, lorsqu'on a suivi un leader, sans avoir pris du recul, on peut être trompé par le leader. Mm. Pas trompé par lui, parce que je le dis toujours, la force d'attraction qu'il a fait que nous autres qui le suivons n'avons plus d'oreilles, n'avons plus d'yeux. C'est lui qui est notre tout. Mm. Et on le suit partout. Et tout ce qu'il dit est bon. Bon, comme vous dites que là, sur le plan psychologique, il va falloir un peu faire du recul. Vous allez vous rendre compte que quand on montrait les concerts parfois de Michael Jackson, tellement les gens décédaient. On avait des gens qui mouraient. On peut voir une puissance surnaturelle. Mais moi, en tant que psychologue, je reste sur les faits. C'est possible que les gens meurent pour vous. Les gens peuvent mourir pour vous. Pourquoi? Parce que je prends un exemple banal. Je reçois une étudiante une fois au bureau. Elle arrive subitement quand je suis en train de lui poser des questions. Elle commence à trembler et je vois qu'elle a lâché du poids. Je pose la question, pourquoi vous avez lâché du poids? Elle me dit, elle n'imaginait jamais d'être à moins de 5 mètres de moi. Bon, pour dire que parfois nous avons des échos, nous avons de l'influence qu'on exerce sur les gens sans le savoir. Alors maintenant, si je suis malhonnête, je peux faire d'elle tout ce que je veux. Mm. C'est donc pourquoi nous, en tant que leader ou en tant que leader, vous en avez demandé, c'est la nécessité, mais nous qui avons de l'influence sur les autres, on devait pouvoir avoir l'éthique à laquelle vous faites allusion. C'est-à-dire que se fixer des principes, se fixer un leader sans éthique est un leader dangereux. Est un mauvais leader. Enfin, est un mauvais leader pour entrer dans votre loup. Parce qu'un leader sans éthique, il peut faire de vous tout ce qu'il veut. Ce n'est pas lui en tant que sujet, mais c'est la force d'attraction qu'il a créée et
à laquelle vous avez adhéré, qui fait de vous esclave du leader. Et je l'explique parfois simplement en psychologie sociale. Quand vous allez voir une fille dire au quartier que ce gars me rend fou, dans la réalité, ce n'est pas le gars qui la rend fou ou qui la rend folle. C'est juste que le lien qui s'est créé entre la fille et le gars est tellement plus important pour elle qu'elle est prête à tout faire pour le garçon. Bon, c'est la même chose qui se passe avec ce que j'entends par la force d'attraction. La force d'attraction du leader fait que même ses défauts, même ses manquements, parfois on ne voit pas. S'il n'est pas bien entouré, il peut vous mener, il peut vraiment vous mener, mais alors vous mener à des dérives inexplicables. Merci, professeur Bernard Owona, pour le cas justement, une fois de plus, du Cameroun. Lorsqu'on est en face d'un mauvais leader, que devra faire le peuple? Le peuple devrait prendre ses responsabilités. D'abord, je voudrais reconnaître que je ne me suis pas bien approprié la thématique de ce matin. Parce que quand vous dites là, le Cameroun a-t-il encore de vrais leaders? C'est même là où il fallait insister. Le Cameroun n'a plus de vrais leaders. Le Cameroun n'a plus de vrais leaders. Je l'ai dit lors de ma première prise de parole. Le Cameroun n'a plus que des leaders que d'aucuns ont créé, d'aucuns ont suscité. Parce qu'ils avaient leurs ambitions à atteindre, ils avaient leurs objectifs à atteindre. Le peuple doit faire comment? Le peuple est pris pratiquement en otage par tous ces nombreux leaders. Vous allez dans le domaine de l'église, c'est dangereux là-bas aujourd'hui de suivre les gens, les gourous pratiquement. Ils torturent les innocents, ils torturent des personnes naïves qui les suivent comme ça. Un peu comme des fous, et parfois à des destinations compliquées. Si vous prenez en politique au Cameroun, c'est la même chose. Ceux qui se prévalent le leader, vous les connaissez bien, ils sont tous les jours là en costume cravate à la télé. On les suit comme des imbéciles comme ça. On nous amène, c'est pas à l'abattoir ou où. Et la conséquence, c'est ce que nous vivons au quotidien. C'est-à-dire que nous avons le malheur d'avoir de faux leaders qui nous traumatisent avec de mauvaises décisions, avec de mauvaises orientations. Vous allez même dans d'autres secteurs, même dans la musique ou dans le cinéma ou dans le showbiz. En fait, globalement, il y a de très mauvais leaders qui, malheureusement, ont une grande influence sur les masses. Je vais vous poser une question à Bernard. Comme vous êtes un homme politique, et là j'élargis un peu le spectre de ma question. Toutes nos excuses à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs. Nous avons été victimes d'une coupure d'électricité. Dieu merci, notre groupe électrogène a immédiatement déjà repris. Je ne sais pas si on peut dire que Eneo, la structure Eneo, fait partie des leaders. Exemple de mauvais leader. Bernard, je voulais vous poser une préoccupation. Je faisais comprendre que j'élargissais cette préoccupation pour les chefs d'État africains. Est-ce que tout chef d'État est forcément un leader? Pas du tout. Pas du tout. Tout chef d'État n'est pas forcément un leader. Il y a des chefs d'État qui arrivent là par la voie du destin. Il y a des chefs d'État qui arrivent là par la force des choses. Il y a des chefs d'État qui arrivent là parce qu'ils se sont battus, ils ont balisé leur chemin, ils ont bagarré. Il y a des lobbies. Il y a des chefs d'État donc qui sont arrivés parce que des lobbies en Occident et ailleurs ont décidé qu'il sera président, etc. Donc, il y a quand même des leaders qui incarnent véritablement ce leadership là en Afrique. Il y a des chefs d'État qui méritent d'être là, il y en a qui ont été fabriqués. Pierre Blerugnamec, il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Il y a cette expression qui a pris du volume, influenceur, influenceuse. Est-ce qu'un influenceur ou une influenceuse est d'office un leader? Ben, il est leader de sa communauté parce que le leadership s'est déporté. Il est allé maintenant sur ce terrain-là. Vous voyez, là-bas, on parle bien aussi de followers. Il est donc le leader de sa communauté. Mais ce que je voulais faire remarquer, ce qui suit. Quand un leader se rend compte qu'autour de lui, parmi ceux qui sont supposés être ses suiveurs, il y en a qui dégagent un charisme qui est au-dessus du sien, il lui faut beaucoup de tact pour gérer ce genre de personnes. Tout à fait. En général, chez nous, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'écraser. Ouais. Et puis, il y a aussi un problème. Lorsque vous avez parmi des leaders,
parmi vos followers des gens qui ne sont pas endormis. Que ce soit dans l'église ou ailleurs, il y a des chrétiens qui ne ferment pas les yeux. Quand le pasteur dit fermer les yeux pour faire des bizarreries, lui garde son œil ouvert. Et un jour, je suis allé dans ce qu'on appelle vulgairement une église de réveil. Hein. Parce que je vais un peu partout. Je veux voir comment ça se passe. Et là, ça m'a marqué. On peut parler en rien. À un moment donné, le pasteur demande à tout le monde de fermer les yeux. Moi, je suis quand même surpris. Pourquoi on doit tous fermer les yeux? Et si quelqu'un fait un truc là, moi, je ferme les yeux, moi, je ne vois plus. Après, ils vont... Bon, le pasteur, comment on appelle, je fais comme lui, je ne ferme pas tout, je laisse un nez ouvert, parce que je vais être vigilant. Et le pasteur revient à la charge. Il dit, celui qui ne va pas fermer tous les yeux, il sera dangereux. Il est ciblé comme s'il voulait aller faire pipi. Et donc, je profite de votre exemple pour parler un peu de ma posture. Je fais partie des followers qui accompagnent certains leaders et qui ne ferment pas les yeux. Je ne ferme jamais mes yeux. Et quand je vois donc le leader faire des deals, je commence par lui dire que non. Leader, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Ce n'est plus bien. Et bien évidemment, c'est la raison pour laquelle je suis ostracisé. Parce que ceux qui disent, par exemple, que je combats ceux de ma communauté, je peux leur dire que j'ai apporté le plus grand soutien aux membres de ma communauté qu'ils croient que je combats. Et c'est quand je me suis rendu compte que les membres de ma communauté, pour ceux qui avaient été présentés, n'étaient pas ce qu'ils disaient être, que je me suis révolté. Parce qu'il faut même encore avoir le courage d'affronter le leader, ouais. Entre guillemets. C'est pas facile. C'est même pas évident. C'est toute la meute. Le leader a toute la meute avec s'attaquer à toi. Qui va s'attaquer à toi? Parce qu'en ce moment-là, tu es souvent seul. Mais je leur dis, je prends le temps. Parce que la meute finit aussi par se rendre compte un jour qu'on nous a trompés. Oui. Et on revient vers toi, si tu es encore vivant, si tu as tenu. Parce que l'autre versant, c'est que le leader tente même de t'éliminer. Oui. Si tu tiens le coup, la meute reviendra pour te dire, vraiment, c'est toi qui avais bien vu, on nous avait trompés. J'espère que vous avez bien compris. Alain Doug n'aura plus la chance d'avoir sa dernière prise de parole. Oh, on le connaît compréhensif. Grand moment de télé. Voilà, Alain Doug dit qu'on vient de passer encore de très grands moments de télé. Merci bien. Alain Doug qui était là. Bernard Rouana, après son 2-0, vous-même vous avez constaté que Bernard Rouana était fatigué. Je le dis à l'antenne. Donc Bernard, les dimanches, il faut aller doucement. On peut t'inviter à Espace Bini. D'accord. Merci à Pierre Blériot. Merci au professeur Claude Désiré. Nubissier, ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs ?